Wesh les potos! Petite information avant que la vidéo commence, si vous voulez soutenir la chaîne au maximum, ce que vous pouvez faire c'est d'aller dans la boutique d'objets de Fortnite, ensuite vous appuyez sur carré pour rentrer le code SCM en majuscule ou en minuscule comme vous voulez, comme ça, ça soutiendra la chaîne de ouf. Merci à tous ceux qui le font, bien entendu c'est pas obligatoire, mais si vous le faites, vous êtes des BG les mecs. Enfin bref, sur ce je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulo Mike et dans cette vidéo, je vais vous aider à réaliser le défi qui est de glisser sans interruption sur 30 mètres en tenant une poule. Alors pour réaliser ce défi et vous aider, je vous affiche une map avec tous les emplacements des poules de Fortnite chapitre 3 saison 1. Alors moi ce que je vous conseille c'est de vous diriger près de Daily Buggles parce que tout simplement à cet emplacement là où je mets les pings, il y a souvent des poules, donc vous allez en trouver une facilement. Donc pour réaliser le défi, il faudra trouver une poule. Donc là, j'en ai une devant moi. Vous allez devoir attraper cette poule. Donc hop, il faut la choper. Donc je vais appuyer sur triangle dès qu'elle s'arrête. Enfin, je vais spammer triangle même. Hop, bah regardez, il y en a une deuxième là. Hop, je la chope. Donc là, il y en a deux, ok. Donc là, je la chope. Donc quand vous avez votre poule, ce que vous devez faire, c'est courir. Et puis ensuite, appuyer sur s'accroupir pour glisser sur 20 mètres de distance. Ah non, sur 30 mètres de distance. Alors, pour vous aider à réaliser ce défi, j'ai une petite astuce. Moi, ce que je peux vous conseiller de faire, c'est de créer une rampe. Donc, vous allez créer plusieurs rampes. Donc, c'est ce que je vais faire. Hop, il me faut des matériaux. Voilà. Parfait. Donc là, je vais créer, je sais pas combien de rampes d'auteur. Je vais en créer un certain nombre. Je crois qu'avec 3 rampes, c'est largement suffisant, mais je vais en créer plusieurs. Voilà, je vais mettre un ping en bas. Vous voyez, je suis à 40 mètres. Je vais même en créer encore un peu plus. Voilà. Comme ça, je suis à 50 mètres. Donc là, maintenant, je vais choper la poule. Je vais me mettre en haut de la rampe. Je vais glisser. Et ça va glisser sur 30 mètres. Parce qu'en fait, il faut vraiment pas avoir d'interruption. Donc, il faut glisser sur 30 mètres sans interruption. Si vous le faites sur du plat, ça ne fonctionnera pas. Si vous le faites en hauteur comme ça. Oups, je me suis trompé de touche. Allez, reviens ici. Hop. Si par exemple, vous glissez comme ça, hop. Vous ne glisserez pas sur 30 mètres. Si vous glissez en pente vers le bas, il y a moyen que vous glissiez sur 30 mètres. Donc ça, c'est faisable. Mais sur le plat, c'est pas possible. C'est pas possible non plus. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de directement créer une rampe. Ce petit corbeau s'est servi de ma rampe au calme, sans problème, MDR. Donc voilà, quand vous êtes en haut de la rampe, ben, vous glissez. Vous courez, vous glissez et vous glissez sur 30 mètres. Comme ça, ça validera votre défi. Quand vous aurez glissé sur 30 mètres avec la poule, ben là, vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura été utile et qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulo Mike et ciao. Peace.